Je crois que c'est la mienne, j'ai coupé l'oreille. Mais là, j'ai pris un coup, coupé l'oreille avec le coup. Tu vois. Oui, oui, oui. Tu peux voir. Dans la mienne, il y en a sur deux. Là, je pense que c'est ça. Oui, oui. What a man! Ça, c'est trop jusqu'à du coup, ça. Elle ne sert qu'à ça. Non, parce que Philippe, c'est eux là, moi je pense que c'est un souvenir à la plus grande chose. À chaque vitre, c'est le Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui. Si je m'informe un petit peu sur la chasse, oui. J'entendais, vous entendez parler par rapport au fort tout à l'heure. Oui. Ce sont des animaux, vous ne savez pas attraper ou tuer directement, ça alors c'est, en fait, disons qu'il faut bien se rendre compte que c'est une bête qui va à une certaine vitesse. Oui. Et que nous, on a une précision de la balle qui n'est pas à 100%. Oui. Ce qui fait que, en fait, moi, j'ai eu un fan que je crois avoir blessé parce que j'ai vu du sang. Oui. Et donc, moi, en tant que chasseur, ça me fait du mal de me dire qu'il y a une bête qui est blessée. Justement, comment est-ce que ça se passe alors? Alors, ici, on trace, on sait où il y a du sang. Oui. Et on fait appel à des chiens, enfin, une société qui s'appelle la Bux. Oui. Qui ont des chiens spécialisés pour la recherche au sang. Ah. Et une bête qui est blessée crée une hormone qui est un peu une hormone de la souffrance, malheureusement. Tout à fait, oui. Et donc, ils le sentent et ils poursuivent l'animal et on retrouve grâce à ça. Et là, il y a tout. Je veux dire, pour retrouver l'animal, il y a un taux de réussite ou c'est aléatoire? C'est aléatoire, je dirais au moins 70% de temps de recherche d'animaux qui réussissent. Retrouve, alors, oui. Il faut savoir qu'il y a des animaux, des fois, bon, ils ont une balle, mais c'est entre guillemets pas grave, elle va avoir mal, mais comme la nature est assez bien faite, chez les animaux, ça se refait rapidement. Il y a une bonne infection, puis ça s'évacue, ah, voilà. Et puis ça se referme. Et voilà quoi, hein, c'est. Ah, ouais. Et alors, je veux le faire. C'est pour ça qu'ils ne le disent pas qu'il y a. Non, c'est la prochaine fois, je pars contre un mule et payer une bouteille. Ouais, non, on ferait à côté. C'est comme quand bouteille. On vient à pircher, quoi. Toujours une bouteille qui traîne. Oui. Pourquoi vous dites ça? C'est un paquet, mais c'est vraiment un dessert que. Oui, il le raconte souvent. J'ai eu vraiment. Donc, le roi et la reine étaient passés chez lui pour des antiquités. Et alors, la reine avait dit: oh, vous êtes chasseur, en voyant tous les trophées au mur. Et puis, nous avons aussi une petite chasse du côté de Cernion, genre, ben ouais. On n'est pas au courant. Il n'y a plus petit, mon frère. Vous serez invité en battue. Ouais. Bon,
Et Bruno, tu payes un verre ou quoi? Je paye un verre, il faut un verre, on boit la bouteille comme d'habitude. On l'a pris, il tombe un peu, puis il se remet, puis je remets une deuxième, et là il bougeait encore. Et c'est parce que j'aime pas voir un animal souffrir, alors j'en ai remis encore une pour. Et vous l'avez. Il est ici alors. Ah oui, il est, ah, le, la, les dents sont dans le sac. Ah ok, voilà.